Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est Magixen et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le retour des virus. Et aujourd'hui, nous allons retester le Windows XP Horror Edition qui a été du coup mise à jour depuis. Il contient de nouvelles scènes creepy et qui peut détruire encore plus le PC, voire même bousiller complètement votre PC, voilà. En tout cas, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour tout le nouveau, ça fait plaisir, on vient de dépasser les 1,1K sur la chaîne, donc ce qui est égal à 1100 abonnés avec le dernier post que j'ai fait sur la chaîne. J'espère que vous l'avez vu et que vous avez liké, parce que sinon, ce petit virus-là, je vais l'injecter dans votre PC, donc abonnez-vous et likez. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un petit virus, du coup, que j'ai fait il y a 2 ans, 3 ans maintenant, je crois que je l'ai fait en 2019, bon, en décembre 2019, on va pas le compter. Mais en tout cas, ce virus a été mis à jour depuis la dernière fois, je sais pas s'il contient une nouvelle scène, mais en tout cas, ce virus-là a le faire sur une machine virtuelle, parce qu'en fait, dès que vous l'exécutez, c'est un petit peu souffrant pour le PC, mais bon, de toute façon, on est là pour faire des expériences, on va traumatiser un peu le Windows 7. Ah, ok, bon, déjà on commence, ok. Ok, je croyais qu'il y avait un petit bug, alors par contre, il y a des petits bugs de son. Ah oui, d'accord. Ok, donc apparemment il est en train d'installer des mises à jour, je sais pas ce qu'il fait. Ah, il s'est arrêté sur 6-6, donc le chiffre du diable, donc il manque juste un petit 6. Ah voilà, ok. Donc déjà ça commence. Le setup ne peut pas être complété parce que... Ah non, enfin impossible de copier le fichier. Le 666.6. Bon bah voilà, de toute façon on connaît, hein. Ah. Ok, bon, ne regarde pas derrière toi, parce que sinon je t'installe un virus, c'est ça? Il y a des bugs, hein? Oula. Ok, bon, c'est très très flippant. Oula! Ah oui! Bon, ça je m'en rappelle, mais Putain, enfin, je sais pas si les bugs de son c'est fait exprès, mais Ah oui, mais là, le PC il est mort, hein? Oula! Ouais, il y a des bugs de... What, 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 attendez, attendez. Alors, pour les âmes sensibles, hein. 666. Attends, on va pas commencer... On va commencer avec ça. Bon, il y a rien qui se passe. Ah. Félicitations, tu m'as ouvert. Tu veux jouer à un jeu? Ok, regarde derrière toi. Oh là, putain. Bon, de toute façon, ça j'avais déjà vu. C'était très très bien. Il y a des petites images là qui apparaissent. D'accord, ok. Et du coup, je peux plus les réouvrir. Ok. Ok. Peut-être ça. Je peux pas ouvrir, ok. La vidéo, peut-être. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est quelque chose de très bizarre en fait. À l'époque quand je l'avais regardé, c'était très très bizarre en fait. Ouais, c'était vraiment super bizarre. Hein. Il y a des bugs de son, hein, c'est grave. Hein. En fait, c'est quelqu'un qui... Oh, oh c'est dégueu. Ah, oh. Ah, il s'arrache les ongles. Ah, oh, c'est dégueulasse. Ok. D'accord. Ah, il tombe par terre. Bah oui, forcément. Oula, 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 oula. Là, en face de lui, il y a une petite fille. Ok. Qui court vers lui. Alors ça, je dois vous avouer, en fait, que c'est plutôt une créature. Mais j'ai jamais compris l'histoire, en fait. C'est ça qui me semble le plus flippant, en fait. Ah, il a un pansement. Oui. Ouais, bon. Et il joue à la balançoire tous les deux. Et là, c'est terminé. Ok. C'est terminé. Ok. Bon, la vidéo était vraiment assez étrange. Bon, bien sûr, je ferai des coupures parce que les moments inintéressants, c'est... Voilà. 666. Oh merde. Alors, ah oui. Bah oui. Pff, oh là là. Ça, c'est... Je sais que ça fait un putain de screamer, ça. Il faut cliquer sur la porte. Non? Ah oui, d'accord, ok. Non, non, viens pas, viens pas, viens pas.
C'est quoi? Ah d'accord, ok, putain, ça m'a fait... Bon, ça fait pas plus peur que ça parce que... Va dormir. Va au lit ou je sais pas, va dormir, go to sleep, façon qu'on connaît, vous connaissez l'anglais. Je peux pas cliquer ça, ok. Par contre, je sais que si on clique ici, bah, ça met à terme directement au virus, donc du coup ça détruit. On clique ici. Est-ce que tu veux sérieusement faire crasher ton PC à tout jamais? Bah oui. Oh, merde. Bah, j'ai fait une connerie là. Hein. Ça l'a emmené vers un virus. Oh putain, ça m'a fait trop bien. Ah oui, d'accord. Ah oui, on est sur du très haut level là, hein. Attention. Ah d'accord, ok. Ça freeze, il se passe plus rien. Le problème, si, alors le problème a été causé par un fil qui s'appelle 666.6. Ok. Ah, ça a redémarré. Ok. Ah, d'accord, ok. Bon, on a l'écran de fin. Par contre, je dois vous avouer que ce truc me fait assez flipper. C'est vraiment assez flippant. Donc, je suis en train de te regarder. Ça a été créé par, donc, du coup, WebiSheep. Mais je sais pas du coup ce qui a été ajouté. Bon, en fait, il n'y a rien qui a été ajouté. Mais c'est en tout cas, ça a été sympa de le refaire avec moi qui parle. Parce qu'en général, je fais des vidéos qui sont très muettes. Donc, voilà. Bon bah du coup c'est tout, hein, parce qu'on peut même essayer de redémarrer la machine. Donc là voilà, je l'ai redémarré, mais ça fait exactement la même chose. Voilà, donc maintenant, votre PC est totalement bousillé après avoir exécuté ce fameux virus. Voilà, c'est un conseil, si vous voulez tester ce virus, à faire sur une machine virtuelle. Le virus est très facilement trouvable sur Internet. Vous marquez Windows XP Horror et ça marche. Voilà. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. On va se quitter sur ce bel écran de feu. De fin, voilà, avec cet œil qui nous regarde, et j'espère que, en tout cas, quand vous dormez la nuit, vous serez pas hanté. Voilà, allez, c'était tout pour moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur des virus ou Minecraft, ça fait plaisir, c'était Magixon, ciao.